le goût de Chicago Music. Aujourd'hui, un morceau super rock avec le titre Stuck in the Middle With You du groupe Steeler's Wheel. Donc vous trouverez ce morceau sur l'album qui porte le même nom que le groupe, Steeler's Wheel, sorti en 1972. Donc les auteurs de ce super tube sont Joe Egan et Jerry Rafferty. Jerry Rafferty que vous connaissez peut-être via le titre Baker Street. En préparant ce cours, j'ai découvert que c'était le même gars, même auteur. Voilà. Pour terminer cette petite présentation, il est à signaler que Quentin Tarantino a emprunté ce morceau pour son premier film Reservoir Dogs en 1992. Ouais, c'était la fameuse scène où il y a Michael Madsen voilà, qui coupe l'oreille d'un officier de police. T'écoutes l'émission de Kabylie, le super son des 70s? Et donc sans plus attendre, je me propose de vous montrer comment on joue l'intro du morceau, le couplet, le refrain. Trois parties, let's go! Alors dans l'intro du morceau, vous commencez par disposer un Ré majeur. Deuxième case du petit mi, troisième case du si, deuxième case du sol, le pied premier avec le pouce. Ça sera la première position. La seconde qu'on trouvera, c'est les cordes à vide, donc tout va bien. Troisième position, vous placerez majeur et annulaire sur cinquième case et cinquième case des cordes de sol et si. Et vous gratterez les quatre dernières cordes aiguës, le la éventuellement avec, mais pas plus, pas le gros mi. La quatrième position, ce sera de descendre le majeur une case à gauche, donc il sera en quatrième case de la corde de sol, et l'index, vous le placerez en troisième case de la corde de si. Grattera pareillement les quatre cordes aiguës. Et la dernière position, vous déplacez ce schéma de deux cases sur la gauche. Donc deuxième case et première case des cordes de sol et si. Ce qui donnera un ré, corde à vide, 5-5, 3-4, et 1 et 2. Donc maintenant, avec les gratte-gratte, ça va donner ça. Donc la main droite n'arrête pas ses allers-retours, ce qui vous permettra de bien vous y retrouver dans le découpage rythmique. Donc le premier coup qu'on fait vers le bas, vous ne grattez pas les cordes, ce qui va donner. On fait ça. Encore. Dès que vous avez fait ça, déplacez ici en 5-5. Un seul coup vers le bas, là-dessus. Et le retour, c'est tout de suite le 3 et le 4, ce qui va donner. Ah oui, vous trouvez la partoche hein, sur galagomusic.com. Let's go. 3, 4, 1. Là, vous descendez sans gratter. Vous en profitez pour slider en 2, 1. Et là, vous chopez celui-ci en retour. Et là, vous avez fait la moitié de l'intro. Je vous la refais. 3, 4, 1. Ensuite. Et à la fin, j'ai alterné les 0, les cordes à vide, et, oh, pardon, et le 1, 2. Je vous refais tout. 3, 4, 1. Bas. Vous remontez machin. Ensuite, celui-ci, sans les doigts, enfin, 4 dernières cordes aiguës. Vous remontez avec, vous redescendez. Regratter en dernier à vide. Donc les quatre dernières croches font donner ça, hein, de la deuxième mesure de l'intro. Encore les quatre dernières croches. Donc du début, 1. On va attaquer le couplet. Donc dans le couplet, on va trouver 4 accords. Donc un Ré majeur, précédemment. Ensuite, on trouvera un Sol septième qui ressemble et qui sonne comme ça. Première case du petit mi avec l'index, deuxième case de la corde de la, troisième case du gros mi. C'est Sol 7. On trouvera après Ré machin, un La septième. Ça va sonner comme ça. Deuxième case de la corde de Ré, deuxième case de la corde de Si. Vous pouvez bloquer le gros mi. Après, on trouvera un accord de Do majeur. Oh yeah. Troisième case de la corde de La, deuxième case du Ré. Vous laissez la corde de Sol à vide. Première case de la corde de Si, en français. Vous bloquez le gros mi aussi avec le pouce ou avec le bout de l'annulaire. Hein. Clac. Et c'est tout. Donc, du coup, maintenant, on voit avec la rythmique qui est un petit peu particulière. Donc, changement de plan pour bien que vous voyez ce qui se passe à la main droite. Donc là, encore une fois, je ne vais jamais arrêter mes allers-retours. C'est juste qu'à certains moments, ma paume, ici, la partie là, l'hypoténare, pour être exact, va venir bloquer les cordes pendant que la main fait un coup vers le bas. Je vous le joue, ce sera plus parlant.
peu l'accompagnement qu'on a dans le morceau Proud Mary aussi de Creedence. Donc on fait comme ça. Bas, haut. Vous voyez, ma main rencontre les cordes vraiment au moment donné où le pouce, enfin à tous les cas le médiator, rencontre les cordes. Essayez comme ça. Il faut que ce soit bien instantané entre le posage de ça et le grattage de ça. Parce que sinon, ça va donner des trucs comme ça. Ah non, j'ai perdu mon médiator. Donc sur les 8 croches de chacune de nos mesures, vous allez bloquer exactement la 3e, 5e et 7e croche. De manière à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Si vous avez ça, vous êtes tranquille. Parce qu'après, il n'y a plus qu'à placer les accords par-dessus. Ok, donc avant qu'il commence à chanter, vous avez 4 mesures de Ré majeur. Ce que j'ai pas fait au début de la démo, hein. J'en ai fait durer que 2 parce que sinon j'étais un peu en carafe, être comme ça 4 mesures sans chanter. Donc du coup, je vous attaque directement quand il commence à chanter. Well, I don't know why I can't be tonight. Deuxième mesure. I got the feeling something right. Le sol 7. Alors voilà, sur le dernier coup là, la dernière remontée. Vous pouvez gratter à vide pendant que justement la main gauche se prépare et que la main droite rétablit son premier temps vers la mesure suivante. Donc du coup, la 4e mesure de Ré avant le sol 7. Hop. 2 mesures de sol 7 comme ça. Pareil, le dernier coup, la dernière remontée, la 8e croche de la 2e mesure de ce sol 7. Vous faites sans les doigts à la main gauche et let's go again sur le Ré. Encore pour se diriger vers le La 7e. Là, la rythmique va changer un tout petit peu. On va arrêter de faire le coup de la paume. Et voilà, je vous refais déjà les deux premiers tiers du couplet. Well, I don't know why I can't be tonight. I got the feeling something is right. I'm so scared because I'll fall off my chair. And I'm wondering how I get down the stairs. Le La 7e. Clowns to the left. Ok, donc sur le La 7e, là je vais uniquement faire entendre les 8 croches sans placer la paume. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'enlève tout pour taper 4 croches de Do. 1, 2, 3, enfin 3 puisque la 4e, j'enlève tout et j'attaque le Sol 7. 1, 2, 3, hop, et je reviens en Ré. Le dernier tiers du couplet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Et sur le Ré, les deux mesures de Ré, je retrouve ma première rythmique avec les schlacks. Donc je vous fais le couplet une fois en entier, il nous reste à voir le refrain et ce sera terminé. Let's go. Well, I don't know what I can do tonight. I got the feeling something right. J'aurais peur de ce qu'elle. Fois. Ok, dès que vous avez fini le deuxième couplet, nous attaquons le refrain. Donc dans le refrain, on va utiliser que 3 accords. On va réutiliser le sol 7e, ok, après on aura le Ré, et après à un moment donné, on aura un La mineur 7, qui sonne comme ça. Ou bien vous faites un La mineur, comme vous le souhaitez. La mineur 7, je trouve plus joli. Ok, ça va donner ça. La rythmique sur le sol 7, on va faire comme on a fait sur la dernière ligne du couplet, c'est-à-dire 8 croches par mesure en aller-retour, sans blocage par la paume. C'est-à-dire, alors j'ai pas les paroles sous les yeux, mais c'est le truc qui fait din 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 din. Pareil, la dernière 8e croche, vous l'enlevez et on réattaque le Ré. Et là, oui, on replace le coup de la paume. Donc la première ligne du refrain. Din 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 din. 8e croche, je fais mon hop et je réattaque 2 mesures de Ré. Je refais sol 7. J'enlève tout. Et là, je balance mon Ré et je le fais sonner. Please.
et la mineur 7. Please. Durant ce please que vous pouvez faire, bien entendu, c'est tapoter sur la caisse, surtout à l'acoustique comme ça. Alors je refais le refrain. Je marque un peu les accents si vous voulez sur la troisième et septième croche. 1, 3, 4, 7. Pour dynamiser un peu. Et. Re-sol 7. Quoi. Je balançais mon ré durant le break là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça fonctionnera très bien. Je vous refais tout le refrain. Oh, mais la batterie clignote, nous arrivons au bout heureusement. Plan large et je vous fais la démo depuis le début. Ah, le petit challenge, j'ai 4 minutes, j'ai pas intérêt à me foirer. Allons-y, l'intro. 3, 4, 1. Couplet, 4 mesures de ré qui précèdent l'entrée du chant. Entrée du chant, nanana. Écoutez, amusez-vous bien, j'ai plus que 1 minute 20, donc j'arrête tout de suite. Donc à très bientôt pour de prochains tutos. Ah, ça clignote, piano, guitare, ukulélé, je ne sais pas, je verrai bien. En tous les cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne musique à vous, à très bientôt, ciao.